L'humanité entière célèbre chaque 14 juin la journée mondiale des donneurs de sang bénévoles. À Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, cette journée a donné lieu à une marche sportive organisée en matinée par le club des donneurs de sang bénévoles de Pointe-Noire-Cuilou. Et ce, en harmonie avec le slogan mondial version 2023, sans plasma, partageons la vie, donnons souvent. Cette épreuve sportive, dont le départ a été donné au rond-point Fontiti, a conduit à ces marcheurs occasionnels de parcourir un circuit de plusieurs kilomètres, en passant par l'avenue de l'Indépendance, rond-point Sympathique, Case du Parti, rond-point Lumumba, avenue Mouekatu, avenue Charles de Gaulle, hôpital Adolphe Cissé, jusqu'au centre interdépartemental de transfusion sanguine. Ici, le directeur du centre a rendu un hommage à ces donneurs de sang volontaires de la ville. Il les a remerciés pour leurs dons, car ils sauvent des vies humaines. L'acte que vous posez tout le temps, c'est un acte précieux, c'est un acte de cœur, c'est un acte d'altruisme. Parce que le sang, ce n'est pas comme les autres produits où on peut trouver dans les officines, dans les pharmacies. Le sang, pour l'avoir, il n'y a que en vous qu'il faut l'avoir. C'est pour ça que cette journée-là a été instituée pour vous, pour témoigner ce que vous êtes, ce que vous faites, et pour vous remercier. Dans le même droit fil, ils ont participé à la collecte de sang organisée par la Fondation Germaine Makwela. L'occasion pour eux de montrer aux yeux du monde que donner régulièrement du sang est un acte précieux qui favorise les patients d'être traités en temps voulu. Mais qu'en toute attente, ces bénévoles ont lancé un cri de cœur. Ils sont abandonnés à leur triste sort. Nous revendiquons la faveur et la gratuité des soins médicaux à la réception de tous les hôpitaux de l'État à travers notre carte de donneur. La gratuité de tous nos examens de laboratoire. La qualité de la collation et la prime de déplacement pendant et après la séance du don de sang. La baisse de prix d'achat de la poche de sang qui est donnée gratuitement. Nous le demandons à 3 500 au lieu de 7 500. Aussi, nous revendiquons notre subvention de façon annuelle pour amener à bien nos différentes activités afin d'atteindre les objectifs fixés. Chaque don est un cadeau précieux qui sauve des vies et sa répétition est la clé pour mettre en place un approvisionnement en sang sûr et durable.